Salut, bienvenue sur Valentin Finance. Aujourd'hui, on va répondre à la question: est-ce qu'investir en bourse est risqué? Bon, la question peut paraître bête, mais évidemment, comme tout investissement, il présente un risque. Et le risque en bourse est éventuellement divisé en trois catégories, c'est-à-dire le risque de perte de valorisation. Donc ça, c'est un risque qui est lié aux fluctuations des prix du marché. Alors, c'est un risque qui est plutôt bénin, c'est-à-dire que par exemple, vous avez acheté des actions qui valaient 50 euros, puis à un moment, ces actions sont dévaluées à 40 euros, la valorisation de votre portefeuille va diminuer de 20%. Donc, de 50 à 40, c'est une perte de 20%. Donc, ça, c'est un risque de perte en valorisation. Concrètement, quel est l'impact de ce risque? Ce risque a comme conséquence, par exemple, si vous allez à la banque pour investir dans un autre projet, que ce soit en immobilier, vous avez perdu en valorisation de patrimoine, donc il est moins probable que la banque soit favorable pour vous prêter. C'est pour ça que durant les crises financières ou boursières, il y a quelques difficultés aussi avec les banques au niveau des prêts bancaires. Donc ça, c'est un risque, pardon, qui est bénin, puisqu'il ne concerne pas les investisseurs dans la valeur. Vous, ça ne vous gêne pas forcément. Un autre risque, c'est le risque de la perte en capital. Là, c'est un risque qui est réel, c'est-à-dire que reprenons l'action qui passe de 50 à 40. Si cette personne, dans la panique, décide de vendre son action parce qu'elle pense que ça ne va jamais remonter, ou alors qu'elle exploite ses actions dans un but d'achat-revente, elle va revendre une perte et donc perdre, pardon, 20% de son capital. Donc là, c'est une perte sèche, donc une perte nette. Le troisième risque en bourse, c'est la perte en cash flow. Donc le cash flow, si vous avez un petit peu d'éducation financière basique, le cash flow, c'est les rentrées d'argent qui viennent du coup vers vous. C'est-à-dire les sorties, ce sont tout ce qui est passif et les actifs vous rapportent en général du cash flow. Il y a plusieurs classes d'actifs, mais en général, un actif vous rapporte du cash flow. Prenons le cas d'une autre société qui va avoir son chiffre d'affaires diminué par rapport à la macroéconomie. Eh bien forcément, si le ratio de dividendes reste inchangé, donc c'est-à-dire imaginons que l'entreprise verse 50% de dividendes aux actionnaires, eh bien si le chiffre d'affaires baisse, le bénéfice a de grandes chances de baisser, et donc, de fil en aiguille, le versement de dividendes aux actionnaires sera réduit. Alors là encore, est-ce que c'est réellement un risque? Alors oui, en termes de probabilité, c'est-à-dire que ça peut arriver, donc il y a un risque que votre cash flow diminue, mais si vous investissez, pardon, dans la valeur, c'est-à-dire comme Warren Buffett, eh bien ce risque en vrai ne vous impacte pas vraiment, puisque ça représente potentiellement pour vous une opportunité d'achat sur des valeurs en lesquelles vous avez confiance. Donc essentiellement, les trois risques, donc c'est vraiment la perte de valorisation à un instant T, la perte en capital en cas d'achat-revente et la diminution du cash flow lié à vos actifs financiers. Alors, si vous investissez en tant que trader, que ce soit court terme ou moyen terme, ces risques-là, les deux premiers risques, en tout cas, peuvent vous embêter. Le troisième risque en termes de dividendes, ça n'impacte pas les traders. Si vous investissez dans la valeur, le risque qui vous embête un petit peu, c'est la perte en dividendes, donc en cash flow, qui vous permet évidemment d'acheter moins d'actions par la suite. Mais en même temps, ça représente une opportunité d'achat puisque la dévalorisation de votre action représente une opportunité d'acheter des actions, des actifs pour beaucoup moins cher. Si l'investissement du coup dans la valeur vous intéresse, donc investir comme Warren Buffett, je vous invite en description à aller sur mon site sociétéhyperion.fr pour aller rechercher. En tout cas, vous avez plusieurs parties, vous avez la page d'accueil et vous avez un blog où je vais mettre régulièrement à jour des articles sur la finance, soit l'immobilier, la bourse, l'éducation financière. Et si vous cliquez uniquement sur blog, vous allez avoir une page de présentation avec une formation gratuite sur la bourse et uniquement la bourse. Je n'ai pas fait de formation gratuite sur l'immobilier. Sur le site, donc je le rappelle un petit peu, vous avez différents types de formations, bourse et immobilier. Toutes ces formations sont évidemment à moins de 100 euros, puisque j'ai remarqué que beaucoup trop de formations étaient entre 800 voire 1000 euros, ce qui pour un produit numérique, donc informatique, qui peut être dupliqué à l'infini, est beaucoup trop cher. Je le rappelle aussi, puisque moi ça m'agaçait quand j'allais voir des formations gratuites. La formation gratuite n'est pas une capture d'email. Donc vous allez pouvoir accéder à la formation gratuite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en sachiez, pardon, que vous en sachiez, excusez-moi, un petit peu plus sur les risques en bourse. Sur ce, bon, c'est la fin de cette vidéo. Portez-vous bien.